Alors on vient de passer la frontière. Nous sommes maintenant en France. Donc les premiers panneaux se trouvent ici. Bienvenue, département des Pyrénées-Atlantiques. Nous voilà à 3h21 du matin. Saint-Jean-de-Luz. Première sortie. Voilà, ça se présente pas trop mal. Allez, on continue le périple. Il nous reste 41% pour 217 km. Et donc, la charge, elle sera à faire dans 43 minutes. Donc, 46 km. Et on est seul au monde. Sortie 4. Alors, on se présente ici. Et on a une déviation parce qu'il y a des travaux. Continuer pendant 1 km. Donc du coup, c'était pas prévu. Mais bon, c'est pas grave. C'est les aléas. Hein. Ils sont certainement en train de préparer pour les grandes vacances. Donc on va pas leur en tenir rigueur. Donc ça fait partie aussi du jeu. 34%, donc 173 km, et logiquement, je devrais pouvoir recharger très prochainement. Voilà, donc on explore. Alors, pare-brise, il est matraqué par les moustiques. Dans 500 mètres, tournez légèrement à droite vers boulevard Marcel Dassault, D810, panneau vers aéroport, gare Société Nationale des Chemins de Fer Français. On arrive à un péage et on prendra. Donc j'ai le télépéage, donc normalement ça devrait passer sans problème. Tournez légèrement à droite vers boulevard Marcel Dassault, D810, voilà. Panneau vers aéroport, gare Société Nationale des Chemins de Fer Français. Puis prendre légèrement à droite sur boulevard Marcel Dassault. Alors ce qui est galère, c'est que les GPS est toujours en train de répéter 36 fois les mêmes choses. Alors peut-être prendre légèrement à droite sur boulevard Marcel Dassault, D810. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous reconnaissez un petit peu le coin. Continuez sur D810 pendant 2 km. Et on va nous continuer le périple. Alors, R de la Benne, est-ce que c'est là? Normalement, oui, ça va être ici. On a la déviation qui s'est arrêtée vraiment où je dois me charger. Non, c'est pas là. Avec leur trait au sol. Et comme il y avait une flèche. Ah là là. Bon, bah, de toute manière, il n'y a personne derrière moi. Voilà, c'est ici. Donc, on va aller charger. Il nous reste 29%. Donc, on va faire à peu près 142 km. On a fait 233 km. Donc, en gros, les 300 km étaient réalisables. Alors, l'air pour charger. Où est-ce que... Électricité, je vois pas. Et pourtant, c'est bien par ici que je dois charger. Alors, le problème, c'est que même au sol, c'est pas indiqué. Alors, je pense que c'est là-bas. Ouais, on voit un éclairage. Ça, c'est quoi ? C'en est ou c'en est pas? Alors je baisse la vitre. Non, ça c'est GPL. Et ben c'est super mal signalé, mais on va y arriver, hein.
Donc ça a l'air d'être des bornes Unity. Eh ben non, c'était pas par là qu'il fallait passer. Eh ouais, vous voyez, hein, c'est un peu le bordel. Hein. Bon, on va repasser par là. Ah, des fois, hein, on perd du temps, c'est pour trouver les bornes. Bon, voilà. Et c'est réalisé sans trucage. Ben non, mais si je passe par là. Je passe où j'y étais. Bon, je vais reprendre mes esprits. Et je reprends une fois que je serai là-bas. Alors, arrivé à l'aire de la benne, donc chez Unity, avec 29%, 142 km, donc ça, ça n'a pas bougé. Par contre, ça a été le parcours du combattant pour venir jusqu'à la pompe. C'est pas indiqué comment y accéder. Enfin bref, bon, résultat des courses, ce qui compte c'est d'y être arrivé. Mais il y a certains fournisseurs, enfin, certains accès devraient être mieux indiqués que ça. Mais bon, alors Unity ici. Donc ça c'est la dernière appli. Alors il faut qu'on nous retrouve. On est là a priori. Sélectionner un chargeur. Donc on est bah, la numéro 5. Et il n'y a pas la numéro 5. Et ça, ah bah parce qu'on est à l'est, on n'est pas nord. Tac tac tac. Non, normalement on doit être par ici, je crois. Cœur d'Aquitaine. Non, on n'est pas ici, on n'est pas à Bordeaux. Comment ça se fait qu'il me trouve pas lui? Ici j'activais le GPS. Comme quoi on voyait. C'est pas la fatigue, mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Et ben voilà. On est là. C'est bien ça, ouest. Non, là c'est l'est. Il m'a trouvé l'ouest. Donc ça doit être l'autre d'à côté. La benne est, enfin, ici. Sélectionner un chargeur, donc on est sur la numéro 5. À 39 centimes. Bah alors. Et bah voilà, on va mettre le pistolet maintenant. Ah là là. On le prend. Allez, viens. Voilà. Suivant, suivant, suivant. Toujours le prépaiement. Et ben là ça démarre. Alors tac. Ah ben il y a des gros bruits qui se font. Alors comme tout à l'heure, je vais vous mettre les deux et comme ça on va voir combien on va prendre. Allez allez. Il me restait, je crois, 29%, je crois, de mémoire. 20, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Bon, c'est bizarre, sur le téléphone, ça dit 28. Sur la borne, ça dit 29.
Alors, la puissance 142. Voilà, 142. Bon, bah, les deux disent à peu près la même chose. Bon, ça monte pas plus vite. La borne, par contre, est super silencieuse par rapport à d'habitude. Donc ça, c'est bien. Bon, bah, je vais rentrer dans la voiture. Il y a la chaîne qui se balade normalement. Bah, elle est là. Eh, viens ici. Viens, on y va. Eh, viens. Viens, on va dans la voiture. Bon, mais nous, on va poursuivre. Bon, bah, du coup, je suis rentré dans la voiture. Donc, elle nous prend à 145. Bah, ça est en train de monter. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Donc, pendant que ça charge, bah, nous, c'est simple. On va se mater un film. Voilà. Donc, on a le GPS. Et puis là. Voilà. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? Ah, il y en a un qui a chopé la crève. Tiens, c'est bizarre, j'ai pas de son. Ah bah voilà. Et là, on a un super son cinéma. Bah tiens, et là, au niveau de la charge, ça monte à 150. Donc ça, c'est pas mal. Bon, et je reprendrai un petit peu la vidéo pour savoir si, au niveau de la charge, si ça va baisser comme tout à l'heure sur la Ioniti en Espagne. Donc, à suivre. On va mater le film. Je suis désolé, pardon, virage à droite. Alors, le film vient de se finir. Et on s'aperçoit que depuis les 45%, la puissance de charge a baissé. Elle s'est stagnée à 60%. Et là, arrivée à 60 kW, pardon. Et arrivée à 60%, elle a encore baissé pour se stabiliser au 55. À peu près, ce qui veut dire que sur la borne, on doit être dans les environs de 58. Donc par contre, c'est la deuxième fois là sur le retour que ça baisse comme ça et que ça reste. Et là, par contre, c'est pas cool. Donc j'en parlerai quand même à BYD sur ce problème. Parce que là, ça fait les longs voyages quand même un peu longs au niveau de la charge. Alors, je reviens sur la charge. Donc, toujours à la benne. Je crois que je suis à la benne, hein, si je dis pas de bêtises. Ça a encore baissé. 44,5 à 79%. Sachant que c'était dans les environs de 72% que ça a baissé à 44%. Mais c'est une dinguerie, je comprends pas là. Je passe pas mal de temps là pour charger. J'ai même essayé en coupant. Donc vous voyez là j'ai l'écran, la voiture elle est intégralement éteinte en me disant bon bah peut-être que c'est le fait de laisser la voiture allumée. Mais au final non. C'est pas ça. Donc on va être à 80%, je vais désactiver. Et en plus, je vais faire une technique qui m'a été donné par un follower qui m'a dit sur ces voitures là quand il n'y a pas le bouton pour éteindre pour arrêter la charge, bah, c'est très simple, ça veut dire que il suffit de appuyer sur le bouton verrouillage une ou deux fois. Bah, du coup j'ai pris la télécommande et puis on va voir si c'est vrai ou pas. On va tester, hein. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir. Par exemple, là, tu vois, ah ben non, je suis à l'intérieur, donc je vais pas pouvoir le fermer. J'allais dire, bah tiens, je vais la fermer là maintenant, comme ça on va voir en direct si ça coupe. Mais non, bon, c'est pas grave. Je vais me mettre à côté de la borne, comme ça on verra depuis la borne. Alors. Pouf. Donc là, on est d'accord, on est à 80%. Donc ça engendre. Ah bah tiens, il n'y a que du 4. Bon.
ça c'est rien. J'ai la télécommande ici et donc j'appuie. La charge elle continue ou pas? Bah, je crois que oui. Hein. Ah, si, charge terminée, regarde. Eh, il a raison. Hein. Comme quoi, ça marche, regarde. J'ai même pas utilisé l'appli. Ah bah écoute, ça c'est bien. C'est pas mauvais ça. Donc l'astuce, hein, vous l'avez appris. Regarde, charge terminée. Bah attends, je vais prendre quand même le téléphone là, parce que imagine ça continue à débiter. Imagine ça continue à débiter. Eh ben non, regarde. Je crois que c'est ça, hein, 47 presque et demi. 9 minutes 35, ça m'étonnerait. Je crois que j'y ai passé une demi-heure. 81%, bah c'est bon, oui, bah c'est ça. Hein. Hey. Comme quoi, la technique est bonne. Hein. Bon, bah allez, on va reprendre la route du coup. Donc, ah oui, ma petite bouteille, bah, à chaque fois que je sors la bouteille parce qu'il fait tellement froid. Et à l'intérieur, il fait tellement chaud que du coup, le simple fait que pendant la charge, je la mets dehors, bah en fait, l'eau, elle devient froide. Bon alors, comme vous voyez, je remets mon voyage à zéro. Voilà. On a 81% pour 424 km. Allez, c'est parti. On va rouler direction donc Bordeaux. Alors, je reviens sur le trajet. On est... donc sur la A63 on dirait, dans le secteur du bassin d'Arcachon et donc nous avons 60% de la batterie pour encore 300 km d'autonomie. À savoir que ça fond parce que regardez la température, vous rêvez pas, il fait seulement 2 degrés à l'extérieur, donc chauffage bien sûr dans le véhicule obligatoire. Et du coup, je sens que l'autonomie, elle prend. Et sinon, bon, bah, au final, il y avait juste 10 km à faire. Donc, R de Bordeaux, Cestas. Alors, est-ce qu'on va trouver pour la borne? Pour les voitures, c'est par là. Et les bornes. On dirait que je les vois, ça a l'air d'être du... Dans ce rond-point, prendre la deuxième sortie. Non, c'est ici. Et là, il y a une voiture qui est en train de charger. Ben nous, on va se mettre à côté. Allez, où? Je connais pas. C'est échelle, là. Bon, bah, pas de problème. On va se charger chez Shell. Alors, j'ai badgé avec la charge point. Donc voilà les infos, 36% de la batterie, on est presque à 600 volts. Ça monte, 142. Donc il faudrait pratiquement une heure pour atteindre les 100%. Voilà, et ça se stabilise aux environs de 609 volts. Et là ça charge à 144, donc dans la voiture ça doit être du 142 à peu près. Voilà, là voici la voiture, donc la borne Shell. Donc j'ai tenté avec les applis etc, rien à faire, et là il fallait la carte physique, et donc avec la charge point ça a été sans problème. Allez, on va aller à la voiture. Donc là il y a une BM qui charge, et puis là on va venir ici. 144, ah bah non, ah bah comme quoi ça a l'air d'être plus efficace ici. Bon, je vais en profiter pour faire un petit somme pendant ce temps là et je vous dis à tout à l'heure. Du coup là je vais tout couper, non c'est là. Voilà, il restera que le compteur à tourner et c'est tout.
Là, il est à 146 et j'essaierai de un de mes enfants qui me dira si arrivé à 45, si ça a baissé ou pas, parce que sur les Ionity ça baissait et là ça serait bien de savoir si sur la Shell ça baisse aussi ou pas. Si ça baisse, ça veut dire qu'il y a plus un problème au niveau du véhicule. Voilà, et puis là la température elle est seulement à 2 degrés hein, à l'extérieur. Il caille mais comme pas possible. Bon bah même pas une minute et on est arrivé à 47 et on voit qu'on est toujours à 145 kg. Donc alors que sur les Ionity à 45% ah ça vient de baisser là à l'instant. Donc comme quoi, mais là on est à 48%. Ok, bon bah comme ça au moins j'ai des preuves, j'ai des choses à donner à BYD pour qu'il corrige éventuellement ça. Ou est-ce que c'est ma voiture qui a un souci, ou est-ce que c'est à cause du froid, enfin voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser hein. J'ai aucune réponse, ça continue de baisser. Et puis là pour le coup bon, pour jusqu'à 100% il faut 50 minutes. Bon bah je vais faire le petit somme. Bah, comme vous pouvez voir j'ai mis la donc la batterie à charger, on était jusqu'à 86% et maintenant on va rouler et on va voir combien de kilomètres on fait. Le soleil s'est levé et on va reprendre la route. Donc j'ai fait un petit dodo qui m'a rechargé les piles et maintenant c'est reparti. Alors on se trouve au niveau de Bordeaux avec les bouchons, donc de ceux qui vont aller travailler. Et sinon à part ça, pour le moment ça se passe bien. Donc ne pas oublier d'aller en direction de Paris. Nous voilà à l'aire de Poitou-Charentes sur lequel donc on est arrivé avec 35%, 165 km restants. Bon en gros réaliser 200, il y avait de quoi faire encore 100 km. Voilà en gros voilà donc avec charge map qui nous indique bien de l'arrêt. Donc on va charger, là on est chez Total en fait et on va lancer la charge. Donc on est sur une bande qui envoie 175 qui est largement suffisant. Et donc ici on retire tout ce qu'il faut, on prépare déjà, actualiser, voilà, donc normalement ça lance la charge. Alors, c'est en train de dire que c'est en train d'envoyer à la voiture. Pourquoi il parle en anglais? Ça y est, la borne elle commence à faire un bruit bizarre. Niveau de l'appli, il n'y a rien qui change. Et ben voilà, il sait qu'il y a 35% dans la batterie. direct, comme ça on va pouvoir voir si bah, à partir des 45 si ça baisse ou pas. 144, ça monte, bon bah a priori 144, qui veut dire 142 dans la voiture à peu près. D'ailleurs je vais aller voir ça. Donc on est ici, il y a pas mal de bornes de recharge hein, comme vous pouvez voir, voilà. Et puis nous on est ici et ben 144 quasi hein. Comme quoi ce qui est affiché
Et bon, on est déjà à 37%, 143,6, et là on est à 146. D'accord, ok. Bon, bah on laisse charger tranquille. Alors moi, ce que j'aime bien sur les bornes totales, c'est que il y a toujours un service en plus. Et là, par exemple, j'ai de quoi nettoyer mon pare-brise. Voilà, même si je l'avais bien nettoyé déjà, bah du coup, je vais pouvoir vraiment le mettre encore plus efficace. Et on voit que le produit, il fait son effet parce que l'eau ne reste pas. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi, j'aime bien Total. Bon, c'est pas forcément les moins chers. Mais en tout cas, il y a des services en plus. Il y a aussi la possibilité d'aspirer. Alors, je sais pas si sur cette là, il y a un aspirateur. Non, sur celle-là, il n'y a pas d'aspirateur. Mais il y a des fois, il y en a. Là, on n'est que deux à charger. Hein. Voilà. Bon, bah, je reviens sur la charge. On est à 47% et ça a chuté à 64 kW. Donc, juste après 5 minutes. Voilà, donc là, si ça reste comme ça, ça va être très très long. Donc il faut pas que j'atteigne les 45 minutes, sinon je vais avoir une surfacturation. Et ouais, c'était indiqué. Ça c'est moche. Il y a un truc qui ne doit pas aller. Un petit retour donc après la charge, j'ai pas pu filmer, mais globalement j'ai été jusqu'à 80%. La voiture n'a pas chargé super vite, donc après les 45%, 47%, elle a chuté, elle est restée à 50 kW de charge sur tout le long jusqu'à 80, donc on est resté une demi-heure de mémoire. Et du coup, voilà, donc je pense que ma voiture elle a un souci parce que ça fait sur toutes les bornes complètement différente. Donc voilà. Sinon là on est au niveau de Poitiers, il est 10h, heure locale, donc ça veut dire que 9h si on part si on parle du Portugal. Donc ce qui veut dire qu'on est en pratiquement comme une thermique, on est dans les temps par rapport à une thermique, donc pas une grosse je pense pas qu'il y ait un gros écart au niveau délai, mais ça je vous dirai dans le résumé. Donc abonnez-vous sur la chaîne pour avoir la suite. Voilà, donc là on a une bonne météo, mais il fait froid quand même, hein. Il fait que 11 degrés comme vous pouvez voir. Je suis en mode conduite standard, enfin normal, et régénération standard. Pourquoi? Parce que ça va permettre de régénérer, enfin de laisser la voiture en roue libre, et plus la voiture elle est en roue libre, et moins on consomme. Voilà, donc petite aparté, et sinon je suis toujours dans les limitations de vitesse, donc pour éviter que le trip il soit faussé, parce que sur les voitures électriques en fait plus la vitesse est élevée et plus c'est ça consomme, et donc ça peut fausser les trucs. Donc je suis resté sur tout le trip dans les limitations de vitesse, comme ça on peut vraiment comparer avec une thermique sans aucun problème, ou avec une autre électrique qui a fait le même trip. Voilà, voilà. Donc, bah, on continue. Pour le moment, à part l'Espagne, Portugal, où ça a été un petit peu chaotique au niveau de la frontière, encore une fois, sinon, ça va. Alors, un petit point sur la route. On se rapproche de Tours. Et ça roule plutôt bien, ça va. Au niveau de la conso, 45% de batterie restante pour faire 227 km. Et on a déjà fait donc 134 km. Voilà. La température se réchauffe un petit peu, mais vraiment léger, 13 degrés seulement. Bah, on continue le trip. Hein, voilà, ça roule pas trop mal. On va espérer que bah, quand on remonte sur Paris, qu'il fasse un peu plus chaud, parce que là pour le coup c'est un peu compliqué. Voilà, bon, on va
tenter de optimiser les charges au maximum.